Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Ride 2 sur PS4. Exactement, on va customiser une moto. Je vous l'ai dit, je fais ça c'est pour vous, que vous voyez comment, si vous achetez Ride 2, si vous l'avez déjà, si vous l'achetez, si vous aimez bien de ça, la moto, si vous trouvez la gueule, comment elle est, si vous kiffez de ça. Je fais ça pour vous, exactement que pour vous, je vous le dis. Maintenant, aujourd'hui, on va encore customiser une moto. On va faire la Yamaha XZF R1 de 2014. Allez, go, on va la custo et l'essayer sur circuit. Bon, comme d'habitude, vous connaissez tous, customisation à fond les billets. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez bien ce genre de vidéo. Encore une fois, je sais que je me répète beaucoup, mais vous me donnez pas la motivation de le faire. Franchement, c'est vous donnez pas du tout la motivation, ça fait mal. Moi, j'aimerais bien avoir plus de motivation, mais bon. Après, je fais ça pour vous. Si vous voulez pas, bah, tant pis. Je vous force pas. Donc voilà. Mais je crois que je vais arrêter ma chaîne YouTube. Franchement, il n'y a rien à faire. Je fais des vidéos, mais exactement, mais il n'y a aucun like, il n'y a que des vues, des vues, des vues, des vues, des vues, des vues. Et puis, franchement, je sais pas quel est l'intérêt de faire une vidéo YouTube. Une chaîne YouTube, on va compter s'il n'y a, si y a personne dessus, que je me casse la tête à faire des montages et tout, tralala. Donc, je crois que je vais arrêter ma chaîne YouTube et puis on va s'arrêter là. Ce sera peut-être la dernière vidéo que je vous fais aujourd'hui. Je verrai bien. Perso, je fais tout ça pour vous, mais il n'y a personne pour m'encourager, il n'y a personne qui sont là, il n'y a pas de like, il n'y a pas de commentaire, rien du tout. À la base, je demande rien, mais je voudrais juste un peu de motivation, mais il n'y a personne qui me motive, donc je crois que je vais arrêter tout ça. Ça sert à rien, il n'y a personne qui commence, il n'y a rien du tout. On va arrêter là, je crois. Même pas ça. Même pas les beaux trucs parce que ça sert à rien. Vas-y, je le mets même pas, ça sert à rien aussi ça. Bon, je crois que ça tout de suite. Ouais, franchement, vous, ça se fait vraiment pas. Vous donnez pas la motivation, tout ça. Ça m'énerve pas, ça me dégoûte pas, mais ça donne pas du tout la motivation. Donc voilà, je crois que c'est la dernière vidéo que je vous fais. Je vous fais un mode rapide, contrôle, puis voilà. Vous donnez pas du tout la motivation. Voilà, sur la description, mettez pause. Si vous kiffez, bah, mettez un like, commentez. C'est toujours bon à prendre, mais s'il n'y a pas de commentaire et pas de like à cette vidéo-là, bah, je crois que je vais arrêter carrément tout. Et puis voilà. Donc voilà. Voilà la description de la moto. Si vous voulez lire, bah, laissez là, mettez pause. Puis voilà. Ouais, pour moi, je vous tout de suite. Perso, le bruit j'aime pas du tout, il est pourri, je le veux.
manualité de la bécane est vraiment chouette aussi. Niveau stop aussi, elle est pourrie. On va la tester en roue. Mobilité vraiment les pendants pétés pourris, lâcher. La fin de la vidéo, merci à beaucoup et commentez, likez la vidéo si vous voulez pas, bah ce sera la dernière vidéo que je fais. Allez, salut à tous.